Et bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Je me dis que finalement, c'est débile d'avoir mis cette scène là, parce que de toute façon, dans tous les cas, je mets normalement celle-là pour Dark Souls. Donc voilà, c'est parfait, tout est prêt. Tout est prêt, on est parti. Et que dis-je, Dark Souls, Maurice Souls. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait tué difficilement un mec habillé en bleu trop fort. Après on a tué un monstre à quatre pattes qui fait de la glace. Après on arrive dans une nouvelle zone où on s'est fait un peu enculer par un spectre qui trichait un peu. Ensuite il y avait quoi? Il y avait on a fait toute la zone sans trop de difficultés. Puis on a tué, enfin ouais, il y a des moments où c'était un peu chaud quand même, genre quand on se prenait des, quand on se prend un vase sur la tête sur un pont, c'est pas terrible. Et pour finir, donc à la fin on avait tué un arbre. On dit comme ça, c'est un peu triste, mais on avait tué un arbre. Du coup maintenant je vous avouerai que je ne sais pas trop par où je dois aller. On avait aussi été sur le toit de la de l'Ichefeu. On avait trouvé des trucs. D'ailleurs, je me dis, j'avais trouvé un truc de... pour améliorer les fioles d'Estus. Ah, mais je crois que j'avais déjà utilisé, vu que j'ai le plus ça. Attendez. Je vérifie, celle-là. Ouais, j'ai dû utiliser... Ok. Tout est bon. Alors on se souvient des touches, hein. Hop, on peut faire ça. Et non, c'est pas ça. C'est ça pour entrer. Okay. J'ai utilisé du mana pour... on va remettre ça en tête, donc c'est... Alors, par où je dois aller? Là-haut, j'ai toujours pas été, hein. Je sais pas comment on fait pour y aller. Il y a un truc là-haut. On avait déjà essayé d'y aller, mais on n'avait pas réussi. Sachant que là, il y a l'église. Ok, on va essayer. Salut, Equinox. Inutile droit devant. Mais non, c'est pas inutile, c'est complètement con. Ça permet d'éviter les rats. Voilà. Et merci pour le sub Insta. Je crois que sur cette scène là j'ai pas les alertes. Si j'ai. En fait c'est juste parce que t'avais pas un nouveau sub je pense. Je suppose. Il est malade. Gros con. Ouais, j'ai pas l'animation. Non, mais je pense que c'est quand t'es un nouveau sub que t'as l'animation. Je suis pas sûr. Là-bas. Hmm. Je vais essayer quand même d'aller chercher le truc en haut là. Et si je trouve pas, j'irai par là. Et là-bas, ça continue vers une autre église. Bonsoir, là j'arrive, ça insulte déjà les chiens. Salut The Fablo, Fabio, je sais pas. Fablolusky. Et oui, il m'a surpris. Donc forcément, je l'insulte. Est-ce que ça passe là? Yeah. Comment on désub? On peut pas. Au con. Salaud qui m'a tué la dernière fois. Bon alors du coup comment je fais pour aller là où je veux aller?
Comme ça, voilà. Ah bah voilà. Un nouvel anneau. Alors, c'est nul les chiens, les chats c'est mieux. Non. Appelez-moi Fablo. Attends, parce que en fait, j'ai toujours du mal. Pourtant, j'avais augmenté la taille de la police. Parce qu'avec le thème dark, en fait, j'arrive pas à distinguer les I et les L. Fabio, ok. Alors, normalement, même avec un resub, doit y avoir l'animation. Dommage. Tu vas mourir, tu as 11 000 âmes. C'est pas faux que j'ai beaucoup d'âmes en vrai. En vrai. Et d'ailleurs, je suis humain là. Juste un gros con. Aïe. Et doucement. Ah bâtard. Mais... Il me tape à travers le mur, ce con. Pas très legit tout ça. Je peux pas passer. Okay. Toi là, salaud. Et c'est vrai qu'il y a des trucs en bas. Ouais, il a failli y avoir mon cadavre en bas aussi, surtout. Quel gros bad. Fait peur, fait des grands gestes quand même. Tu peux pas te faire envahir dans les zones où t'as kill le boss. Ok. De toute façon, la dernière fois, j'avais désactivé le. Mais sérieusement. Et il m'a tellement mis en PLS. Mais c'est vrai qu'il y a des drops là en bas. Faut que je trouve un moyen d'y aller. Mais oui, d'ailleurs, je me souviens en fait où est-ce qu'il faut que j'aille. Suis-je bête? C'est effectivement là, mais j'avais deux endroits possibles. Ok. Ça doit aller en bas. Je propose qu'on y aille. Y aller. Alors, j'ai entendu un gros. Pourquoi l'ascenseur s'est barré? Ah non. Ok. Bonjour. Pardonnez-moi, j'étais perdu dans mes pensées, je suis Siegwart of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Un peu dans l'embarras. Est-il déjà arrivé comme moi de prendre une flèche sortie de nulle part en passant à proximité d'un boulot blanc? Je ne me trompe pas, les tirs proviennent de cette tour. Certains qui doivent avoir moins de... Ah, ok, il parle des énormes flèches. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. C'est faux. C'est totalement tort. Ah.
beaucoup trop simple. Je sens le piège, comme quoi ça va m'écraser. Non, merde! J'ai tenté. C'est pas grave. Bon, par contre, mon perso qui a pas fait une roulade, ça c'était pas cool. Mais en fait, je pensais pas que le truc était aussi loin. Mais ça puait quand même sacrément la merde. Hein. Je sentais tellement me faire écraser par en haut. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, j'ai vu des fenêtres. Et je vous ai dit, hein, la dernière fois, je vous l'ai dit, dans Dark Souls 1, il y a un coup comme ça où quand tu montes, tu as des pics en haut. Ils l'ont pas refait dans le 2. Du coup, je me dis, dans le 3, c'est possible. C'est compliqué d'aller en bas si tu veux un indice, n'hésite pas. Compliqué d'aller en bas. Ah non, oui, d'accord, ok. Oh putain, est-ce que je l'ai mis? Et du coup, salut Virkelion, salut Fafniros. En vrai, je trouve que ça se tentait. Esquive du pot, sorti de nulle part. Je parle de l'esquive, sorti de nulle part. Oh. C'est vrai que ça le stun que dalle. Hein. C'est bon, vous voyez, de toute façon c'est pas grave, je vais récupérer mes âmes. This is not a problem. C'est pour ça que je l'ai tenté. Hein. Je sais très bien que ce n'est point gênant. Bon, du coup, là je vais récupérer mes âmes. Du coup, au final, je sais pas ce qu'il y a par en bas. Ça va être sacrément moins intéressant que ce qu'il y a en haut. Ah bah du coup le jeu est beaucoup moins moins amusant. Non, c'est lui, ça se dit en fait. Ça aurait été tellement mieux de devoir sauter à la fenêtre et que ça t'écrase. Bref. Utilise le briscast de Yambus. Ah, s'il y avait des compétences comme ça. Waouh! Je peux même pas tricher avec ça. Quoi? Je vais pas l'embêter, hein. Il m'a l'air bien sympathique, ce monsieur. Chagrin droit devant. Parlez. Qui êtes-vous? Faire la paix. Toujours prêt à aider. Jeune branche. Ok. C'est tout? C'est beau, hein? Oh bah, ok. D'accord. Et là, tu es toujours...
Il est passé où ce con? En vrai, j'ai vraiment envie de sauter, hein. Est-ce que ça se retente? C'est chaud quand même. Oh, allez. On va pas faire les fous. On va aller voir ce qu'il y a en bas. Ennemi redoutable droit devant, donc essayez à pâter la cible. Ok. Oh boy. Majeur en vue, porte nécessaire. Oh boy. Il m'a vu. Hey! D'accord, encore un cracheur de glace. Wow! Pas demander à mon pote en haut du coup de venir m'aider. Okay. Non mais c'était juste le temps de connaître son pattern. Des rats. D'accord. Sérieusement? Sérieusement? Je me suis pris 3 coups par des putains de rats. J'ai perdu autant de vie par des putains de rats. Ah, il y aura un chien qui va me casser les couilles. Oui, non, oui. Waouh. Tu peux pas m'aider? Ok. Descends parce que sinon ils peuvent me toucher. Rat MVP. Eh mais non, il a pu passer. Comment je fais? Ok. Je préfère. Il y en a un qui est parti, l'autre je peux l'aggro. Ok. Bon, c'est pas que je l'aime pas, mais... vu le peu d'âme qu'il rapporte. Bon. Bon, bon, bon. Je sens que tu vas avoir du boulot, Equinox. Il faut savoir que pour me faciliter le montage, Equinox note à quel moment j'ai eu mes morts. Histoire
histoire que moi au montage ça soit plus simple de mettre à jour le compteur de mort. Donc du coup plus j'ai de mort, plus il a de boulot. Alors on va dire que si je meurs beaucoup, c'est juste pour lui donner du boulot. Il tape trop vite. Ah. Aïe. Ouais, c'est ça, recule, ouais. Salaud. Oh, oh, aïe, ah. Vite, pneu. Ah, ah, petit coup de gnôle. C'est bon. Plus de peur que de mal. Ok. Beaucoup plus de mal que de peur. Les deux, j'ai peur de mourir. Comment on dit? Dans ce cas-là. Hop, une fiole. C'est bon. Ah. C'est horrible la glace, ça fait baisser l'armure ou je sais pas quoi. Merde, je suis pas monté dans l'escalier. Là mon coup il aurait dû passer. Vite. L'épée droite de je sais pas qui. C'est nul. 149 plus. Ah oui mais attendez, attendez. J'ai amélioré 3 fois quand même mon katana. Ouais. C'est mieux, c'est plus léger. C'est logique comme explication. Laquelle? Ah, le fait que je meurs beaucoup. Oui, bah oui. Essayez feu. Ah, trop lol. Attendez. Ok. Et ça? Ok. Un feu. La route des sacrifices. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, comme j'ai découvert ce feu, on va faire deux choses. Déjà on va aller dépenser ces 1 million d'âmes et demi que j'ai, qui sont beaucoup trop nombreuses pour un seul homme. Et donc elle est là. Le premier, c'est un brise-garde. Ok. Blablabla. Bla, bla. On va augmenter un petit peu notre vitalité. Ok, attendez. J'ai 3 points à mettre. Donc on va mettre déjà un petit point vita. C'est plaisir. On va bourrer en force, écoutez. On va pas va pas faire les choses à moitié. Le katana fait moins de dégâts, mais il fait proc de l'effet tranchant. Oui, mais alors attention, regarde. Je vais te montrer ce qui m'a fait changer d'avis. Sans compter le fait qu'il y ait 3 améliorations. Les dégâts, on va dire, sont à peu près de base pareil. Sauf que si tu regardes à côté, déjà au niveau du poids, lui il est mieux. Il est à 4, le katana est à 5-5. Durabilité, le katana il est moins bien. En termes des... sous la durabilité, là, les puissances de garde, etc. C'est moins bien au niveau du katana, par rapport à lui. Et aussi, le katana peut proc saignement, ok, mais il fait 32 dégâts saignement. Alors que lui, il fait proc de la glace et il est à 55 de glace. Donc 55 étant supérieur à 30, ça m'a convaincu. Tiens. Question. C'est quoi les symboles là à droite? Je sais pas ce que c'est.
C'est pas les dégâts, mais les chances de proc. Ah! Bah, dans ce cas-là, j'ai quand même plus de chances de proc. On va tenter un truc qui risque de s'avérer mortel. Je vous le cache pas. Mais j'ai confiance. J'ai vraiment confiance, donc ayez confiance, tout va bien se passer. Franchement, je suis sûr que mon plan va bien se dérouler. Aussi bien que le plan de sauter dans l'ascenseur dans la tête. Il me faudrait des fragments pour améliorer l'épée. Parce que là du coup je one-shot même plus les rats. Allez, tu dégages. Oh non! Oh non! Pas une sorcière! Vas-y, j'ai mérité quoi pour ça? Viens. Allez! Voilà! Bon, les autres vont me faire chier en fait, donc faut que je les tue aussi. Toujours aussi dangereux ça. Non, mais non! Ah! Je me suis mangé un pot! Hop, hop, c'est parfait. Ok, lui, il se sent plus. Ok. Ouais, plus qu'un. C'est con que celui que j'ai tué, c'est celui qui était le plus éloigné parce que... Ok. Nickel. Et donc là maintenant... En fait, mon but c'est de sauter. Mon but c'est de sauter, mais de manière intelligente. Vous allez voir. Faut juste que en fait je trouve le bon spot pour sauter. Donc attendez, là il y a une histoire de toit là qui m'a l'air sympathique. Enlève ton armure. Oui, 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 pour l'instant je suis en repérage. Hein. T'inquiète. J'avais prévu de retirer mon armure. Parce qu'il y a aussi de l'autre côté où je peux sauter. Pour l'instant, je regarde un petit peu là où c'est un peu plus la baise. Tiens, lui, il a un item. Parce qu'en vrai, il y a la pente là, mais... Saut droit devant. Mais bizarrement, j'ai pas confiance quand c'est des marques qui me disent ça. Et là, ouais, certes, c'est un peu plus en mode pente, mais... On peut pas déraciner l'arbre. Ok. Bon, on va tenter là. Hein. Même si je sens que ça va être l'énorme baisse.
Allez. Easy. Je sais plus ce que j'avais mis, je crois que j'avais mis ça. Ah non, j'avais mis le pantalon léger, mais les vrais gants. Ouais, ça. Alors, par contre. Quoi? J'ai des flèches. Maurice, mais il est complètement con. Peut-être c'est possible de descendre comme ça. Et attendez, et Maurice, oh Maurice, ah c'est bon. Appuie sur l'autre gâchette. Non, j'avais essayé les deux en fait. En fait, je crois qu'il considérait que j'étais pas équipé. Oh, un bouclier plus un. Attendez, parce que c'est intéressant ça. Il est nul. Il y a un rat. Ok, y a pas qu'un rat. C'est une invasion. Aïe 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 aïe. Ok, easy. Une tache de sang là. Attention, saignement droit devant. Ouais, ouais, bah t'attends deux secondes. Hein. Avant que j'ouvre ça. Vous ne méritez pas ça. Une marque. Homme droit devant, vous ne méritez pas ça. Ah, qui va là? Il y a quelqu'un? A pitié, qui que vous soyez, je veux sentir votre main. Les ténèbres me cernent, mais déjà, sont la morsure du milieu de cette créature. Entendez-moi, je pense que je ressente une présence. Ça pue la baise. Hein. Ça pue sacrément la baise. Pourquoi elle veut ma main? J'ai grave envie de lui foutre un coup de lame dans la tronche. Je reviendrai après. Exactement, ça sent l'arnaque. Je reviendrai après quand j'aurai fini de fouiller tout ce qu'il y a en bas. Et quand j'aurai vraiment plus rien à perdre. Parce que là... Ça pue un petit peu la baisse. J'adore cette épée, elle fait un effet trop stylé. C'est comme ça pourquoi. Gemme. Fragment de titanite. Waouh. Ah bah c'est le lowlife que j'avais pas tué. MDR. Bonjour. Il lui manque un coup. Putain, sérieusement. Bon, bon. Déjà, on est un fragment de titanite, je suis content. Ouais. Rien que là, je suis content.
Ah! Forcément, hein. Elle est trop faible ton arme, mais juste un poil. Ouais, voilà, c'est. Avec le katana, par exemple, je l'aurais tué. Mais bon. Passe après. Merde. Ah ouais. Mais non. Oh bah tiens. Triple coup. Âme de voyageur inconnu. Ne lâchez rien, squelette. Mance droit devant, donc squelette, rien de plus. Forcément. Non? Plus la baisse, pour l'instant, ce sont pas relevés. Un pagne! Génial! Pas du tout la baisse. Verrouillé? Non. Attendez, c'est quoi ça? C'est les égouts de... De par là où je passe, non? Ouais, c'est ça. Pourquoi je peux pas l'ouvrir d'ici? Ça c'est la vraie entrée. Mais j'ai... Bah pourtant j'avais essayé toutes les portes. Ah mince. J'essaye toujours toutes les portes. Genre, comme par hasard, j'aurais oublié celle-là. Ça me paraît gros. Du coup, si je l'ai pas faite cette porte, ça a dû tellement te trigger, Equinox. En mode à passer à côté tout le temps.